tout le monde. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste remercier infiniment The Body Shop qui m'a envoyé un calendrier de l'Avent, mais vous êtes pas prêts. C'est magnifique. Juste, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Donc je vais pas vous faire d'unboxing. Je sais pas trop ce que la marque attend de moi pour tout vous dire. Mais je veux vraiment pas être spoilée. Donc j'ai trop hâte. J'ai regardé vite fait ce qu'il y avait dans le numéro 1 et je vois que c'est des produits qui m'intéressent trop. The Body Shop, c'est pas testé sur les animaux. En tout cas, je suis juste trop contente. Donc je voulais vraiment les remercier pour ce beau cadeau. J'étais pas prête en recevant ça dans ma boîte aux lettres. Franchement, allez-y, foncez si vous avez envie d'acheter un petit calendrier en attendant Noël. En tout cas, les produits ont l'air vraiment super grands, notamment celui-ci qui a l'air d'être un full size. Et je pense qu'il est à 90€, donc je pense que vous en aurez pour votre argent en tout cas. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Ah non, attendez, je voulais juste vous mettre une petite photo juste là de moi dans mon bureau avec toutes vos affiches si vous avez suivi la dernière vidéo. Voilà, juste merci encore. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où c'est pépite aujourd'hui puisqu'on va chercher un petit chaton à la SPA. Mon téléphone ne veut pas tenir en place. Donc, programme de la journée. Là, il est 11h environ, je vais aller chez ma maman. J'ai lavé mes cheveux en vitesse, je les ai séchés aussi en vitesse. J'espère que je tomberai pas malade. J'ai ressorti mon manteau, je suis trop contente, il est trop beau. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, j'ai plein d'habits là derrière que je dois déposer, vous savez, dans les petits conteneurs verts. Ça revient à des personnes défavorisées. Je sais qu'il y a des personnes défavorisées aussi qui checkent dedans. Donc qu'elles n'hésitent pas. Hein, voilà, c'est des affaires à Flo et à moi. Notamment, il y a un peignoir à moi que je peux plus voir. Du coup, voilà. Donc, on va faire ça aujourd'hui. On doit aller chercher la petite Lily à 13h30. Donc, je suis trop pressée. En fait, ça faisait très longtemps que ma maman, elle voulait un deuxième chaton, un deuxième chat. Parce que Chouchou, la première, en fait, elle commence vraiment à s'ennuyer apparemment. Enfin, elle sort dehors et tout, mais elle s'ennuie. Il y a un jardin. Mais voilà, ma maman, elle voulait vraiment un petit chaton qui soit hyper affectueux et tout. Bon, s'il est pas affectueux, tant pis. Mais du coup, elle a été le choisir la semaine dernière et elle m'a dit: Chloé, tu viens avec moi, on va le chercher mercredi. Aujourd'hui, on est mercredi 6 normalement, c'est la pleine lune ce soir. Oulala, je voulais dire un truc aussi, genre c'est trop bizarre, mais en fait ma dernière vidéo, genre mon unboxing, ça a été une torture à monter pour moi. Pourquoi? Non pas parce qu'il y avait beaucoup de rush et tout, pas du tout, c'est juste parce que je me trouve trop naïve en fait, je me trouve trop niaise, c'est trop ça. Alors que dans la vraie vie en fait, je suis full second degré. Je comprends pas pourquoi je prends cet air niais en caméra. Même là en fait, je sais pas, je devrais trop être moi-même, poser ma voix et tout. Mais en fait, si je suis niaise comme ça, je pense qu'on a tout eu en tant que youtubeuse, entre gros guillemets, parce que c'est pas du tout mon métier. On a tous eu l'exemple d'Enjoy Phoenix qui est hyper lisse, qui est hyper douce. Alors que moi, je suis full humour, full second degré en réalité, IRL. Des gens me regardent filmer, donc je vais arrêter parce que c'est très malaisant. Voilà, là je go chez ma maman et regardez-moi ces reflets. J'ai essayé de les sécher en mode boucle, genre vous savez, comme ça et tout, mais ça a pas marché. Aujourd'hui, ils veulent archi pas collaborer. Donc bon, tant pis. Va chez ma maman et je prendrai la caméra quand on ira à la SPA. Bon, du coup, ça c'est Chouchou. J'essaye de lui dire qu'elle aura une petite sœur. T'auras une petite sœur, mon cœur. Elle s'appelle Lily. Ce sera donc Lily et Chouchou. Qu'est-ce que ça vous fait, madame, de devenir petite sœur à 5 ans? Parce qu'elle a quand même 5 ans. 5 fois 7, ça fait 35. À 35 ans, madame, vous découvrez que vous avez une sœur cachée. Qu'est-ce que ça vous fait? Regardez ses pattes, elles sont... Enfin, ses petits coussinets, ils sont noirs. Je trouve ça super rare chez un chat. Dites-moi si vos chats, ils ont les coussinets noirs, mais moi, je trouve ça super rare. Elle est vraiment trop belle. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de Chouchou, on venait de perdre Tommy. Donc Tommy, je sais pas si vous en souvenez, Tommy, c'était notre chien. C'était un cavalier King Charles pour les plus anciens. Ça a été un déchirement, genre vraiment pour toute la famille. Ça a été horrible. Aujourd'hui, ça fait 5 ans du coup que Tommy est parti. Suite à de gros problèmes cardiaques, etc. Il y avait de l'eau dans ses poumons. Enfin, c'était invivable pour nous. Il souffrait trop. On a dû abréger ses souffrances. Même encore aujourd'hui, je pense très souvent à lui. Et donc bref, on s'est dit on va prendre un petit chat parce qu'en fait, on n'en pouvait plus de ce vide dans la maison. Donc non pas pour remplacer Tommy, mais juste pour... on voulait s'occuper d'un animal. Donc la petite Chouchou est arrivée dans notre vie. À la base, on voulait un mâle. Et puis, il s'est avéré que c'est une femelle. Donc voilà, tout va très bien, elle est très heureuse ici, elle se bagarre énormément pour défendre son territoire dans la maison, quoi. Comme il y a plein de chats dans le quartier. Donc voilà, elle va avoir une petite sœur. J'espère qu'elle est contente, j'espère qu'elle lui fera pas trop la guerre. Bon, on a pris un chaton, je vous mettrai la photo de Lily juste là. C'est un petit chaton, donc normalement ça devrait bien se passer. Chouchou, elle est vraiment très douce, très calme, sauf avec les autres chats en fait, qui essayent
de venir dans la maison, donc j'espère que ça ira bien. Et c'est vrai que je voulais un petit peu cacher, mais il y a pas longtemps, j'ai rempli un formulaire d'adoption pour un chaton. C'était un chaton qui avait une particularité, en fait, il avait une moitié de visage noir et une autre moitié de visage orange. Donc voilà, je sais pas, j'ai craqué, j'ai vraiment craqué, et en fait finalement notre dossier n'a pas été, enfin si, il a été retenu, mais c'est pas nous qui avions eu le chaton, donc j'étais dégoûtée, j'avais déjà des idées de prénoms et tout, et ça c'était vraiment pour chez moi, donc avec Zoé et Malia. Et je me suis dit, bon, deux chats ou trois chats, c'est un petit peu pareil et tout, bon je suis d'accord, faut payer plus de nourriture et tout, c'est pas un truc à prendre à la légère, mais moi je crois au destin, si je devais pas avoir ce chaton, c'est que je devais en avoir un autre. Enfin, je suis pas du tout en recherche là, c'est juste que j'avais eu un gros coup de cœur. Et voilà, je pense que c'est bien de vous le dire pendant cette vidéo justement, qui est très appropriée pour le sujet. Donc voilà, c'est les derniers instants de Chouchou toute seule, puisque là il est midi et on a rendez-vous à 13h30. Oui. Alors, il y a deux tricolores, donc je vais vérifier les puces. Faut pas qu'on se trompe. Alors, il y a celle-là. Mon petit cœur. Et celle-là, alors je sais plus. C'était pas l'autre, hein. Je ne veux pas qu'elle saute. Belle rambre. Petit amour. Oh. Et je pense qu'elle va avoir les poils longs. Bon, madame a pleuré un petit peu, le temps de faire le trajet jusqu'à la voiture. Là, elle tremble un petit peu, on voit qu'elle a froid. Elle est perturbée, petite louloute. La dame, elle nous a dit de ne pas les confronter, mais nous, enfin moi perso, j'ai toujours confronté les chats ensemble, genre avec Malia et Zoé, ça a toujours été. Donc on ne sait pas trop quoi faire. Donc là, elle va arriver dans sa maison, on vient d'arriver à destination. Elle est très très sage. Là, la mission, du coup, c'est de la mettre dans le panier. Oh. Il est trop mignon. Elle lèche. Oh, un moteur à rond. Oh. Tu veux pas la prendre et le mettre dans le panier? Chérie. Elles sont peut-être mal isolées là sur la panne. Petit cœur. Tu ronronnes quand même. Avec toi qu'elle ronronne. Elle est trop mignonne. Elle est tellement petite. Oh là là. Faudra fermer la porte d'entrée.
des câlins au lit. Chouchou, elle a joué avec. Avec ma mère, on est en train de pleurer tellement Lily est mignonne. C'est un truc de fou. Regardez-la. Regardez ce petit cœur. Oh, je craque. Je craque trop. Du coup, c'est une petite lion. Elle est née le 23 juillet. On pensait qu'elle serait cancer comme nous, mais finalement, elle est lion. Elle est vraiment parfaite. C'est incroyable. Elle va être trop heureuse ici. Du coup, là, j'ai proposé à ma mère de prendre ceux-là pour faire la transition. Comme Lily, elle est encore au Royal Canin. Et au niveau des pâtés, on a pris... Ce qui est bien dans cette animalerie, ils se mettent vraiment au sans céréales. Donc, il y a du Almo Nature, en veux-tu, en voilà. Il y a du Chésir, c'est bien aussi. Il y a du Feringa, donc c'est top. Après, moi, je préfère quand même le prendre sur Zoo Plus parce que c'est beaucoup moins cher. Voilà, quand on a fait une petite sélection. Jour 2, je suis retournée du coup chez ma maman pour voir la petite Lily et tout va très bien, apparemment elle a pas pleuré de la nuit et elle fait que jouer, elle est très propre, elle court jusque dans la salle de bain pour aller faire son petit caca et ses petits pipis, elle est vraiment trop mignonne, c'est vraiment un amour de chaton. Et je sens déjà que son petit ventre il a grossi parce que ça mange bien ici. Hein. Et elle ronronne en fait dès qu'on la caresse.